Bonjour, je suis Juliette Desmarches, je suis en charge du mécénat et des partenariats à la métropole Rouen-Normandie. J'ai souhaité créer des ponts entre la culture et le monde économique, et le mécénat s'est trouvé le meilleur moyen pour assurer cette liaison. Dès mes premiers stages dans une maison d'opéra, j'ai commencé à développer cela et j'y suis toujours aujourd'hui dans le cadre d'une collectivité, donc en l'occurrence la métropole Rouen-Normandie. J'adore ce métier et je trouve que vrai pour l'intérêt général et sensibiliser à cela, ça a du sens. Un très bon souvenir, le Non-Profit Award qu'on a gagné avec l'entreprise Candor, voilà, qui avait offert une sculpture pour mettre sur la devanture de l'opéra de Rouen et qu'on avait fait tout en mécénat nature et compétences avec d'autres entreprises. C'était un beau moment. J'ai vraiment l'impression d'agir concrètement au quotidien en permettant à des projets qui servent l'intérêt général de se réaliser et d'avoir des soutiens, que ce soit autant pour des projets culturels, en lien avec l'environnement ou la solidarité. De plus, le mécénat permet de sensibiliser toutes les parties prenantes de l'entreprise, que ce soit les salariés, les clients, les fournisseurs, au sujet justement du projet soutenu, ce qui permet de faire avancer les choses en termes d'environnement, des sensibilités à la culture ou ce genre de choses. Ben moi, je suis déjà à l'AFF depuis pratiquement 10 ans. J'aime pouvoir échanger avec mes homologues et orienter, donner des conseils aux plus jeunes. L'AFF, ça permet de développer une communauté de confiance pour partager ses problématiques et découvrir des nouvelles techniques, prendre du recul et confronter aussi ses façons de faire. Après le groupe culture, j'ai intégré moi le groupe pilote des collectivités où nous souhaitons toujours pouvoir pour plus partager nos expériences. Pour moi, la fundraiser de demain sera toujours plus humaine, devra aussi maîtriser les nouvelles technologies pour toucher un large public. Elle sera convaincue de l'importance de son métier et des projets défendus, et plus que jamais une personne de conviction, réactive et surtout imaginative. Oui, je suis so fundraiser.